Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro-sentimentaux de la fin de quinzaine de février. On attaque par les cancers. Cancer, signe ascendant, lunaire, solaire. On n'attaque pas du tout, en fait, on continue. Dans cet oracle, vous savez que j'ai des cartes de planètes, d'éléments, la lune, le soleil. Donc j'ai pris les quatre éléments, la lune et le soleil, pour voir un peu la tendance de cette fin de quinzaine au niveau sentimental pour vous. Et là, c'est l'air qui est arrivé. L'air va me parler de mental. L'air va me parler d'avoir besoin de prendre l'air dans une situation aussi, d'avoir besoin de s'aérer un petit peu les neurones. Cette notion de réfléchir différemment aussi, de se libérer peut-être d'une situation, de retrouver de la légèreté. Voilà, j'ai un peu tout ça qui me vient. Cette notion d'être guidé aussi par les anges derrière, de refaire la lumière peut-être sur une situation. Très bien, bon. On va aller prendre, on va commencer avec les 77 d'Aliaske. Et je fais un gros bisou à Katia si elle suit le tirage. J'adore son petit oracle, je suis ravie de l'avoir acheté. Donc on va aller faire un petit tour d'horizon pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire pour fin février. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît, les guides? Écoutez. Donc écoutez les messages de vos guides, mais il y a cette notion aussi d'écouter une personne, d'être à l'écoute aussi de vos attentes, de vos besoins. Peut-être à l'écoute des besoins d'une autre personne. En couple, ça va me dire, là, vous avez besoin de... Je sens deux personnes qui parlent beaucoup et ça s'écoute pas vraiment, en fait. Ouais. L'écoute va être la clé, on vous dit. Alors là, je ressens plus ceux qui sont en couple, hein, mais c'est pas grave, hein, pour ceux qui sont pas en couple, de toute façon, on fait aussi le général, où là, ça va vous permettre d'écouter les guides, d'écouter votre intuition, de vous écouter aussi pour aller débloquer une situation. Pour ceux qui sont en couple, vraiment, ça va être écouter l'autre. Écouter l'autre, là, ça va vous permettre de communiquer correctement et ça va être la clé d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a l'enfant, là, il y a vraiment cette notion ouais. Peut-être qu'il y a des conflits dans un groupe, dans un couple par rapport à une envie ou non de maternité. Et là, on vous invite à aller écouter ce que l'autre personne a à dire. Pour vous, les cancers, autres qui ne sont pas en couple, on vous dit vraiment, soyez à l'écoute de vos besoins, en fait. C'est surtout ça le message. Soyez à l'écoute de vos besoins parce que ça va ouvrir vers une nouvelle rencontre, un nouveau projet sentimental, quelque chose de nouveau, en fait, qui va venir dans le chakra racine, là. Ouais. Une nouvelle relation, là. Parce que l'enfant, c'est un nouveau projet, une nouvelle relation, vous voyez. Il y a cette besoin de prendre la hauteur aussi, de prendre l'air d'un séjour, peut-être d'un séjour à la montagne, tout simplement, peut-être êtes-vous à la montagne. Mais là, pour moi, je ressens plus cette notion de... C'est ça, avec l'air, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de prendre de la hauteur et vous avez besoin de pas avoir trop de sollicitations parce que là, c'est un peu, quand on est à la montagne, on est un peu coupé de tout, vous voyez. Vous avez un peu besoin de couper de tout, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, ce besoin de couper avec les gens, de couper avec les communications, de couper avec les conflits, de couper dans une situation, de couper avec une attente, de vous mettre au vert un petit peu. C'est vraiment ça que je ressens avec la montagne, de vous mettre au vert, c'est ça, ouais. Pour pouvoir mieux retrouver l'autre personne ou pour pouvoir retrouver l'harmonie avec vous et ça va attirer la bonne personne à vous, voyez. C'est aussi après l'hiver, il va y avoir le printemps, il va y avoir un entrelacement, une belle relation, quelque chose de nouveau qui arrive à vous là, les cancers. Vous allez vers quelque chose de différent parce que vous trouvez cette clé à l'intérieur de vous. Hein, il y a une clé qui est trouvée là, ouais. Alors, ça peut me parler d'emménagement chez une personne aussi. Hein. On déménage, on va ailleurs, on bouge, hein, soit chez cette personne, soit vers une autre. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Voilà. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides pour les cancers. Oh, l'attraction, regardez. Alors, là,
Pour les célibataires ou ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, mais pour la situation est bloquée, pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous trouvez, vous vous écoutez, vous êtes plus à l'écoute de vous et vous trouvez une clé là. Vous voyez, vous avez la porte qui va s'ouvrir et vous avez la clé. Donc là, vous avez combo gagnant quoi, un petit peu. Pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle façon d'appréhender la relation ou l'attente. Mais je pense que là, il y a vraiment une cassure et quelque chose de nouveau derrière. Vraiment, on casse une attente, on casse, voilà, on va vers quelque chose de nouveau. Après avoir fait un peu une retraite où on se recentre sur nous-mêmes et là, on va vers quelque chose de florissant. Il va y avoir beaucoup d'attraction avec une personne. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit pour remettre un petit peu ce côté attractif, aimant, tout ça, où on est attiré l'un par l'autre, il y a besoin de débloquer peut-être des conflits ou une situation, quelque chose sur lequel on ne s'entend pas, où on a des désaccords. Et pour ça, la clé, ça va être vraiment d'écouter l'autre, pour aller casser les schémas du passé, aller vers quelque chose de différent et retrouver cette attirance, cette attraction et refaire deux en fait. Hein, voilà, reformer ce couple-là. Alors, c'est dans les deux sens, hein. C'est pas que vous. Hein. La personne en face aussi a besoin a besoin d'ouvrir ses oreilles et de ne pas être... voilà. Donc, on a la séparation. Pour certains, ça va être communiqué sur une séparation, sur un passé ou sur... voilà. Parce que vous avez besoin de remettre les choses au clair pour avancer mieux. Pour d'autres, là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est soyez à l'écoute de vous, être bloqué dans une situation, que ce soit dans des schémas du passé, dans une ancienne relation, dans la colère ou quoi, il y a besoin de se séparer de ça. Quelque chose qui a besoin de se casser, de se séparer, on a besoin de se séparer de ces énergies-là, de ce mode de fonctionnement, de cette attente, de ce... voilà. Je ressens aussi beaucoup des gens en attente d'un autre, là, et on vous dit que c'est bon, c'est stop, quoi, faut... vous avez besoin de vous séparer de ces énergies-là et d'être dans vos énergies, quoi. Parce que, cette personne, elle était avec vous par intérêt, quoi. Il y avait un intérêt à être avec vous, là. On va parler finances aussi, peut-être, pour ceux qui sont en couple. Hein. Peut-être cette notion de parler de finances, de rester avec l'autre parce que c'est une habitude, en fait, ou parce que pour le côté économique. Mais là, j'ai l'impression que pour vous, ça ne vibre plus du tout. Vous avez besoin de cette attraction et vous avez besoin de casser ce côté « on est ensemble pour le sentir », parce qu'on a une bonne situation, quoi. Mais pour moi, vous trouvez une clé à deux, là, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a cette notion vraiment d'arrêter d'attirer des personnes qui sont avec vous par intérêt. Et pour moi, vous allez réussir à faire ce travail-là, en fait, pour aller vers quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore pour vous, pour les cancers? Ouais. Vous voyez, la jalousie, il y a des personnes qui sont... Ouais. Ça peut me parler de triangulaire aussi pour certains, peut-être que vous communiquez, le problème, c'est peut-être la jalousie. Soit de vous, soit de l'autre, vous voyez, quelqu'un qui est possessif. Et là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Hein. Si on veut remettre de l'amour, de l'attirance, il faut sortir vraiment de ces schémas-là. Hein. Ça va être important, hein, là, ici. Hein. Ouais. Parce que ça vous égare, vous voyez. Ça vous égare. Alors, c'est soit vous, soit l'autre qui est dans ces énergies. Hein. Vous voyez, si vous avez un autre. Et si c'est vous, peut-être que c'est... Il y a trop de personnes qui parlent autour de vous, ça vous désaligne avec votre cœur. Vous avez besoin de retrouver cet alignement au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur, pour savoir exactement trouver cette clé et savoir où vous voulez aller. J'ai l'impression qu'il y en a, ils en ont ras le pompon, en fait, de personnes. Vous savez, c'est toujours ces personnes qui vous conseillent. Ils ont toujours mieux la réponse que vous. Alors ça, c'est quand même assez hallucinant. Quand ils ont les gens, ils ne sont pas dans ta vie et puis ils te donnent des conseils ou ils te disent même carrément comment agir. Alors ça, j'adore. Je suis fan. Puis ils te jugent sans te connaître aussi, ça c'est sympa. Alors ça, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau sentimental là? Pour les cancers, la télépathie, les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. Donc je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ici, ou clairement... c'est pas celle-là que je voulais tirer en premier, mais c'est pas grave si je l'ai fait comme ça. Ou vraiment, il y a cette notion où on est connecté à une autre personne. Que vous la connaissiez ou pas, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous connecte à une personne. Mais il faut d'abord se libérer de tout ça pour ceux qui sont célibataires. Se séparer de ce côté intérêt, jalousie, possessivité. On a besoin de balayer un petit peu tout ça. Langue de vipère autour de vous. Et ça, vous allez le faire ici. Vous avez un très beau tirage avec la Yasuke, donc vous allez le faire, d'accord?
Ça va peut-être vous perturber un peu, mais c'est vous bousculer pour que vous trouviez une clé et pour que vous soyez plus léger. Les épreuves mènent à la guérison de l'âme, c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous allez peut-être voilà, vivre une épreuve au niveau sentimental, mais c'est pour guérir au niveau de votre âme. Ça va aider à la guérison et à vous rapprocher de la bonne personne, parce que je sens qu'elle n'est pas loin de vous, mais ce qui bloque, c'est que vous avez encore des choses à... Vous avez encore des choses à nettoyer ou purifier vos énergies ici, ou vous libérer de schémas de pensée bloquants, voilà. La délivrance, soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment, on l'avait, hein, l'écoute, et puis vous allez retrouver de la légèreté et vous allez vers quelque chose de chouette ici, les cancers. Hein. Ouais. Donc on vous dit qu'il va y avoir une délivrance, même si voilà, ce sera peut-être fin février, début mars, mais quelque chose qui va se débloquer parce que vous allez être à l'écoute de vous. Vaisseau des chamans Atlantes, ne perds pas patience, le voyage du bonheur approche, écoutez votre intuition. Voilà. Donc on vous dit, ok, c'est cool, zen, voilà. C'est pas parce que pour l'instant c'est un petit peu bloqué, que ça va rester bloqué tout le temps, vous avez quand même la clé. L'arbre de vie vous appelle à changer vos idées, mais gardez vos principes. Osez le changement. Vous avez besoin de changement, d'aller vers quelque chose de différent. Et je pense que ça passe par changer votre perception de l'amour, arrêter d'attendre une personne, changer votre peut-être le pessimisme au niveau amoureux. On en a souvent, hein, vous savez, quand on a été déçu, après on croit plus en personne, on croit plus en l'amour, mais au final on l'attend toujours, quoi, vous voyez. Bah, c'est un peu ce voilà, débloquer tout ça et se dire, ok, c'est pas parce que je suis tombée que sur des gens qui n'étaient pas faits pour moi qu'ils sont tous comme ça, ou que sur des gens malhonnêtes, ou qui avaient un intérêt à être avec moi, ou qui étaient jaloux, ou qui étaient ceci, cela, voilà. Et ça, il y a vraiment besoin de pardonner, de se séparer de ces énergies-là pour aller vers quelque chose de différent. Parce que vous avez le voyage qui arrive quand même. On va prendre l'oracle d'Annabella, regardez, le penseur. Et le penseur va nous amener à faire un point sur ce qui vibre ou ce qui vibre pas vraiment. Le penseur va nous amener à nous reconnecter à nous-mêmes aussi, à nos besoins naturels, vous voyez, pour sortir d'un labyrinthe dans lequel vous êtes. Vous avez deux fois le labyrinthe, il y a vraiment une espèce de labyrinthe. Mais celui-là, ça fait plus penser à un œil, vous y voyez clair. Et on vous dit que c'est une étape à laquelle vous avez besoin de passer parce que vous avez besoin de vous séparer de quelque chose. Alors, c'est soit se séparer d'une personne, d'une relation, d'une attente, d'une triangulaire, ou de façon de matérialiser l'amour, de voir l'amour, vous voyez là. C'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle d'Annabella pour vous? Ouais, c'est ça. Tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et je pense que ces choses viennent de vous. Il faut sortir de ce labyrinthe mental et il faut vraiment vous délivrer de ce qui vous bloque au niveau émotionnel et sentimental. Là. Donc, toutes les énergies qu'on voit avant, là, vraiment, c'est le conseil, c'est limite redondant. Et là, vous allez attirer la chance, vous voyez. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Il y a la bonne personne qui va arriver vers vous. Ça me parle aussi de communication. Et si vous avez besoin de reconnecter avec votre troisième œil pour savoir si une situation ou une personne, une relation vibre encore ou pas, pour aller communiquer, pour réactiver ce soleil, la lumière et trouver un petit peu la lumière derrière. Vous voyez, besoin de prendre du temps pour moi, bah, c'est exactement ça. Vous avez besoin de faire ce point pour savoir qu'est-ce qui vibre en vous. Voilà, être fidèle à vous-même en fait, pour attirer cette personne-là à vous, parce qu'il y a peut-être plus qu'un lien d'amitié qui vous unit avec une personne quand vous êtes en couple, ou peut-être que vous avez un ami qui au final vous plaît. On vous dit que vous avez l'issue, hein, derrière, hein. Ouais. Ouais, vous vous approchez d'une fin de cycle, mais là c'est fou, j'ai l'impression que ça monte en énergie, c'est pas évident pour vous. Ok, d'accord, donc on va aller prendre le Rider-Waite pour aller compléter. Hop, au niveau des conseils. Donc, quels sont les conseils pour vous, les cancers, signe ascendant lunaire solaire? Waouh, bah ouais. L'illusion, il faut sortir d'une illusion là. Il y a vraiment, il y a quelque chose, je pense, qui n'est pas fait pour vous, et je pense qu'il y a, je pense que vous prenez beaucoup la tête sur une situation ici, les cancers, alors que vous pourriez le prendre avec beaucoup plus de légèreté. Cette notion de pouvoir faire un choix aussi, vous avez besoin de choisir ici. Vous ne savez pas quel choix faire pour vous, en fait. Et on vous invite à vous reconnecter à vous-même. On vous invite déjà à entreprendre un voyage, c'est-à-dire à commencer à partir, à vous mettre en action pour pouvoir sortir de ce labyrinthe et nettoyer, vous séparer de ce qui ne vous convient plus là. Pour moi, vous allez le faire vraiment, parce que je vous assure qu'avec l'Aliaski, vous avez un super
tirage, là, on le voit bien, hein, mais il faut être à l'écoute de vous-même ou de la personne en face de vous. Vous avez besoin de pardonner, de vous pardonner, de communiquer clairement ce que vous voulez. Et là, il y a vraiment cette notion, l'impératrice, c'est la communication. Vous serez délivré par la communication et en fonctionnant différemment, là. Il y a vraiment besoin de parler, de communiquer dans une situation, de pardonner, de se réancrer, de se respecter aussi et d'écouter ses intuitions, là. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici pour pouvoir sortir de schéma au niveau sentimentaux, aller vers quelque chose de différent. Voilà. Sortez des conflits internes aussi. J'ai l'impression que là, il y en a certains, au final, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous vous perdez. Vous allez la trouver, cette clé, mais il va falloir prendre un temps pour vous, là. Vraiment, peut-être un voyage, prendre un temps pour vous. Ça va vous permettre de couper, de trancher, de reprendre votre autorité dans une situation. Et vous êtes guidé vers là, hein. Vers ça, d'accord ? Vous avez besoin de reprendre votre autorité pour aller prendre une décision, matérialiser quelque chose qui vous corresponde plus, parce que là ça bloque. Alors posez-vous une question et puis moi je vais y répondre avec ce petit oracle ici au niveau sentimental. Bon, essayez d'y répondre au mieux en tout cas. Alors, à votre réponse, on a « Go, the time is right ». Allez-y, il est temps. Donc, si vous posiez une question, si c'est la bonne personne ou pas, bah, en tout cas, il est temps d'aller écouter votre cœur. Il est temps de faire un pas sur vous, qu'est-ce que vous voulez. Il est temps de vous écouter réellement parce qu'en fait, la réponse, elle est en vous. C'est-à-dire que, est-ce que ça vibre ou pas ? Voyez, pourquoi ça vous met dans une situation mal ? L'amour, c'est pas censé être mal et négatif. L'amour, c'est censé être léger, vous voyez. Si vous hésitez à aller vers un ami ou quoi, on vous dit qu'il est temps. Si vous décidez à aller reprendre la communication avec une personne, aller parler, on vous dit qu'il est temps. On vous dit, allez-y, c'est bon, vous... voilà. En tout cas, je pense qu'il est temps déjà d'aller vers vous. Je vous laisse... Je vais tirer trois cartes conseils pour vous ici, les cancers. Je vous laisse faire votre choix, vous en choisissez combien vous voulez, une, deux ou trois, peu importe, c'est vous qui voyez. C'est des conseils un petit peu personnalisés parce que je trouve ça sympa, je pourrais en faire quatre. Bah tiens, je vais dire je pourrais en faire quatre et il y en a deux autres qui tombent. Donc voilà, ceux qui ont choisi celle-là, il y aura celle-là aussi je pense pour vous. Qu'est-ce qu'on a de deck ? Je suis invincible et invulnérable. Donc là, il y a vraiment cette notion de reprendre confiance en soi, reprendre sa souveraineté et sa solidité interne un peu. C'est ça qu'on nous conseille. Il y a vraiment cette notion de se recentrer sur soi. Pour le choix numéro 1, ça va être « Je suis protégée et soutenue ». Vous avez besoin de vous sentir guidée, protégée et soutenue par vos guides. Et il faudrait réussir à matérialiser ça. Vous dire que vous n'êtes pas seule, que vous êtes protégée, vous êtes soutenue dans cette situation, vous allez trouver un dénouement favorable. C'est aussi écouter vos intuitions, réaligner vos chakras et vous êtes vraiment là-dedans en fait. Et vous allez voir qu'après, ça va débloquer pas mal de choses, je pense déjà pour vous. Le choix numéro 2, je m'honore et je me respecte. Je suis invincible, invulnérable, je m'honore, je me respecte. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se remettre au centre. Le fait de s'honorer et de se respecter, eh ben, c'est aussi être capable de dire non ou de dire oui à une personne en face ou à une situation ou communiquer clairement ses attentes. Et ça va être important pour vous, le respect. Vous respectez vous-même et vous honorez la belle personne que vous êtes. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne pour fin février. Ça va vous aider à débloquer des choses aussi. Pour les personnes qui ont choisi le troisième ou quatrième groupe, on vous parle de pardonner et c'est typiquement l'impératrice qui pardonne. Donc, on vous dit que là, vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner une personne en face. Il y a des pardons à effectuer pour libérer là des choses un petit peu. Et il y avait un dernier conseil qui est « Je m'engage à ma guérison ». Le fait de pardonner va vous aider à guérir et va vous permettre de débloquer ces énergies-là et d'aller vers une autre personne, une autre relation ou un autre mode de fonctionnement dans votre relation, d'attirer à vous des personnes différentes. En reprenant votre pouvoir personnel, vraiment une reprise de pouvoir personnel en prenant du temps pour soi, vraiment ça me parle de retraite à la campagne, à la montagne, pas comme une retraite spirituelle, quoique vous pouvez très bien en faire une. Mais c'est vraiment là, il est temps de vous remettre au centre en fait, pour lâcher le mental, réfléchir différemment et aller dans un cycle différent ici, là pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous prenez bien entendu que ce qui vibre en vous, on ne le redira jamais assez, vous avez votre libre arbitre. Bisous bisous les petits loups, ciao.